Alors Moussa Dombola, merci d'accepter l'interview pour nous. Y'a pas de soucis. On est ici à Orléans, au Christie's. Vous allez faire un show dans quelques secondes. Exactement. Il y a un public de cinglés pour vous. Ah bon? Ah, là c'est blindé. La boîte elle est totalement blindée. C'est toi qui me l'as confirmé. Je confirme. Ce soir ils sont fous. Et ce soir ils sont tous fous. Vous avez entendu? On va voir si vous êtes chaud ce soir. Parce qu'en fin de compte, on vous connaît depuis quelques temps quand même. Yes. Vous avez été humoriste, comédien. Exactement. Aujourd'hui, vous venez, vous chantez. Comment est venue l'idée du clip que vous avez fait? C'est hyper simple. L'idée du clip, c'est parti d'un gros délire avec une amie. Je lui ai fait, enfin, on écoutait ensemble un son de Logo BGT. Et je lui ai fait comprendre qu'un jour, moi aussi, je vais créer le même morceau, mais dans l'ambiance humoristique, en faisant danser tout le monde et avec des paroles que tout vraiment, tout ça. On peut dire aujourd'hui que vous êtes le buzz du net, parce que quand on regarde le nombre de vues de vos vidéos, c'est extraordinaire quand même. C'est vrai qu'elles sont beaucoup vues. Est-ce que je suis le buzz du net? C'est pas à moi de répondre, je donnerai la réponse. C'est à eux. Voilà. Aujourd'hui, comment vous acceptez cette notoriété que vous avez quand même? Parce que quand on dit votre nom, mais c'est un truc de dingue. Cet après-midi, on a filmé le flash mob en plein centre-ville, mais c'était juste blindé. Alors dès qu'on dit Moussa Dombola, comment vous le prenez ça, vous? Je le prends super bien dans le sens où je suis pas quelqu'un qui me prend au sérieux. Ouais. Je suis là pour rigoler, pour faire danser les gens et pour faire passer un message surtout positif. Essayer de rassembler toutes les communautés autour d'une seule danse. Dès qu'on dit mon prénom, on me dit Moussa Dombola, il y a du monde, c'est lourd.
ça fait que plaisir, évidemment. Alors, une question que tout le monde se pose, oui. Pourquoi le bonnet de Père Noël? Bah, tout simplement parce que c'est mon style à moi. C'est ça, c'est le style, voilà. Pour se différencier des autres. Exactement. Alors, dernière question, on va parler de vos projets futurs. Quels sont vos projets? Alors, vous faites attendre des boîtes de nuit de un peu partout. Ouais, un peu partout. Mais quels sont vos projets aujourd'hui? Futur, du moins. Futur. Donc là, je prépare actuellement un deuxième morceau qui va arriver bientôt. Ouais. Ça va être à peu près aussi lourd que le Gobi Tombo. Ah oui, alors là, oui. Toujours dans la même ambiance, rigoler, déconner, faire rigoler les gens dans la joie et la bonne humeur. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? Il y a des choses pour écouter, on peut vous voir partout, je présume. Alors, on va indiquer les liens en même temps. Très bien. Allez-y. Je m'adresse à la caméra directement. Allez-y. Vous pouvez me voir. Si vous voulez me voir faire de la scène, vous allez sur www.lesambashow.com. Ça, c'est pour la scène. Si vous voulez écouter Logo Bitombo, achetez Logo Bitombo, vous allez sur iTunes ou sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Il y est depuis le 28 mars. Allez-y. 1,29€. C'est pas cher et c'est bon, ça. Un dernier mot pour vos fans qui vous regardent. Trois mots. Je vous aime. Bande de cochons. Merci, Moussa Tombola. Merci à toi, mec. C'est pas grave. La famille, je voulais vous dire une chose avant de partir. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes. Et quand j'arrive, les gens, ils jouent comme ça. Donc, du fond du cœur, sincèrement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.